Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le top 10 des meilleurs micros. Alors vous allez voir, en vrai c'est un top 11, il y a un petit bonus avec celui-ci. Mais je vous ai sélectionné 10 micros qui sont selon moi les micros les plus intéressants pour différentes utilisations. À chaque fois, je vous préciserai dans quel cas ça peut être le plus intéressant. Et vous allez voir qu'il y a des petites pépites parce que je vous avais sorti une vidéo comme ça déjà il y a un an. Et depuis, il y a 4-5 nouveaux micros là que j'ai intégrés dans le classement qui sont vraiment ultra intéressants. Comme d'habitude, hein, je vous rappelle, vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour info, la vidéo elle va être séparée en différentes parties. Donc vous allez d'abord avoir la liste de tous les micros que je vous ai sélectionnés, pourquoi je les ai sélectionnés, les avantages, les inconvénients, les différentes caractéristiques et les prix. Et je vais aller du moins cher jusqu'au plus cher. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui correspond au test sonore. Donc pour le test sonore, c'est assez simple ce que j'ai fait. J'ai fait un test en me mettant à 10 cm du micro, un test en me mettant à 30 cm du micro. J'ai fait un test où je tapais au clavier à environ 25-30 cm du micro. Et j'ai aussi fait un test où j'ai activé ma clim. Je l'ai fait tourner à fond, hein, vraiment, pour que vous entendiez aussi le bruit que ça va capter dans la pièce. Vous allez voir que d'un micro à un autre, ça change énormément les bruits qui sont captés dans la pièce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, on commence tout de suite avec la liste de tous les micros que je vous mets dans ce guide d'achat. Allez, c'est parti! La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors juste avant de commencer avec le premier micro, juste une petite précision. Ce que je vous recommande fortement, c'est de partir sur un bras articulé pour tenir votre micro. Parce que le bras, ça va permettre d'enlever une grosse partie des sons qu'il va y avoir quand on tape sur le bureau. Ça va aussi permettre d'approcher le micro le plus proche de la bouche. Et c'est ce qui va permettre d'avoir la meilleure qualité. Et quand vous utilisez le micro, idéalement, il faut pas le mettre pile en face de la bouche comme ça. Idéalement, vous le mettez à 45 degrés à gauche ou à droite pour diminuer les pops. Et donc voilà, donc là, vous voyez, tel que j'utilise là actuellement le micro, c'est le mieux. Donc il est assez proche, il est à 45 degrés sur la gauche là pour moi et il est sur un bras articulé pour diminuer les bruits parasites du bureau. Donc là le premier micro, c'est le Fifine K669 qui coûte 38 euros sur Amazon. Donc là on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Ceux qui veulent un bon micro, mieux que ce qu'on a avec les micro casques etc, sans exploser le budget. Donc là vraiment pour les petits budgets, des personnes qui débutent sur Twitch etc et qui veulent pas complètement casser leur budget, vous pouvez partir sur ce celui-ci, il est assez basique, donc vraiment c'est pour les débutants. La qualité sonore reste très correcte, surtout pour un micro à 38 euros. Et vous n'avez pas énormément de réglages, de petits boutons, ça se branche en USB. Vous avez juste un petit bouton pour le réglage du volume, et c'est tout. Donc c'est assez simple, mais en soi ça fonctionne très bien, et pour 38 euros, c'est compliqué d'avoir quelque chose de mieux. Le deuxième micro, les gars, c'est un micro de la marque Yoto. Alors celui-là, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière dans mon top des meilleurs micros. Si certains parmi vous connaissent le Beurre du M1, c'est un micro très connu parce que il a une excellente qualité et il coûte que 60 euros. Là, le micro Yoto, il est identique au Beurre du M1, que ce soit en termes de qualité, en termes de design. On a l'impression que c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un où il y a écrit Beurre et l'autre il y a écrit Yoto. Et clairement, celui-ci, c'est un ultra bon plan parce que il est sur Amazon entre 47 euros et 51 euros, alors que le Beurre du M1 est à 60. Il a la même qualité, le même design, tout pareil, mais en plus de ça, donc dans les 47 à 51 euros, vous avez un bras articulé comme ça. Alors un bras très basique qui est pas forcément de bonne qualité mais qui coûte en général 15 euros sur Amazon, donc il est compris dedans. Vous avez aussi une bonnette, donc l'équivalent de la petite mousse qu'on peut mettre au bout du micro pour évacuer un petit peu, empêcher qu'on ait le souffle, le bruit du souffle, ou aussi diminuer les pops. Et vous avez en plus de ça un filtre anti-pop à placer devant. Donc c'est un kit très complet, vous avez tout en un, vous avez le bras, le micro, le câble, les filtres anti-pop, les bonnettes et tout. Tout ça pour 47 à 51 euros et ça en fait un micro à un prix imbattable. Il est excellent et pour ceux clairement qui ont une cinquantaine de
d'euros et qui veulent le mieux possible, ce sera le Yoto qui sera excellent. Alors je sais qu'il y en a qui adorent le Bird, donc je vous l'ai quand même mis dans le classement, d'ailleurs c'est le micro juste après, à 59 euros, le Bird UM1 qui reste très très bon, qui n'était plus dispo sur Amazon pendant presque un an, là pendant le confinement, c'est pour ça que l'année dernière je vous l'avais pas mis dans le classement. Il était dispo que chez LDLC, et il était plus cher chez LDLC, j'en étais à 80 euros, et clairement à 80 euros c'est beaucoup moins intéressant. Là il est de nouveau dispo sur Amazon, donc je vous le mets dans ce guide d'achat parce que ça reste un excellent micro, mais si jamais le Yoto est disponible, je vous conseille de vous rabattre quand même vers le Yoto qui sera plus intéressant, même qualité, plus d'accessoires et un prix plus intéressant. Mais voilà, le Bird UM1 reste très intéressant. Alors le Yoto et le Bird UM1, c'est assez basique aussi comme micro, vous n'avez pas de bouton, de réglage, de choses comme ça. Vous branchez un câble USB, c'est plug and play, mais après pour régler le volume, les choses comme ça, c'est directement dans Windows. On enchaîne avec un autre micro à 59 euros, le même prix que le Bird UM1. Là, c'est le Razer Seren Mini. Alors, ils ont différents micros Seren. Le Mini, c'est un tout petit modèle. Alors d'ailleurs, je l'ai en blanc et je l'ai commandé là pour cette vidéo, mais je me suis rendu compte que je l'avais déjà en stock. Donc j'en ai deux. Alors si jamais vous voulez que je vous le fasse gagner, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud et précisez-moi sur quel réseau vous voulez que je fasse gagner, Instagram, Twitter, et je pense que je ferai gagner le modèle que j'ai en trop. À l'un d'entre vous, ça peut être intéressant pour améliorer le setup. Donc le Razer Seren Mini, celui-là aussi est assez basique, la qualité sonore est plutôt bonne, ça capte pas mal les sons dans la pièce, un petit peu comme le Bird UM1 et le Yoto, mais pour ce prix-là, c'est compliqué d'avoir des micros qui captent pas trop les sons ambiants. Vous allez voir, pour 110 euros, il y a un micro très intéressant pour ça. Donc voilà, le Razer Seren Mini, excellent micro, très intéressant pour son prix aussi à 59 euros. On enchaîne ensuite avec le Blue Yeti Nano. Alors Blue, c'est une marque très connue pour les microphones. Là, on a un micro qui est directement fourni avec un pied pour le poser sur le bureau. Petit avantage par rapport au micro d'avant, on a un bouton de volume pour le micro et on a aussi une prise casque qui va permettre de brancher un câble en jack et d'entendre en direct le retour de ce qu'on dit dans le micro dans les oreilles. Et ça, c'est très intéressant. Il y a aussi un petit bouton qui va permettre de switcher une captation du son en cardioïde ou circulaire tout autour, ce qui veut dire que soit le son va capter ce qui se passe devant, donc là c'est plus quand vous enregistrez votre voix, mais si jamais vous voulez l'utiliser par exemple pour l'audio d'une conversation entre plusieurs personnes autour d'une table, ça va être intéressant d'utiliser l'autre mode. Donc celui-ci, l'avantage c'est qu'il est un petit peu plus complet en termes de connectique, la qualité reste très bonne, et en plus de ça il est assez polyvalent parce qu'il arrive à capter différemment le son en fonction du réglage qu'on lui donne. Le micro suivant, c'est le Razer Serenix, là aussi très très bon micro, assez intéressant, il coûte 85 euros. Alors attention, des fois il est un petit peu plus cher, des fois on le retrouve à 100, 110 euros, achetez-le s'il est à 85 euros comme actuellement au moment où je tourne la vidéo. S'il est un petit peu plus cher, on va dire s'il est au-delà des 95 euros, il y a d'autres micros qui sont plus intéressants, mais si vous l'avez dans les en dessous de 95 euros, très 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 intéressant, la qualité est très correcte. Attention, celui-ci aussi capte pas mal les bruits ambiants dans la pièce, donc si vous voulez utiliser ce micro dans une pièce où il y a pas mal de bruit, je vais vous recommander d'autres micros un petit peu par la suite, vous allez voir, mais voilà, celui-ci est très correct pour son prix. On enchaîne avec le micro suivant, là on passe le cap des, bon, presque 100 euros, on est à 99 euros, c'est le Endgame Gear X-Storm. Alors vous connaissez peut-être pas cette marque Endgame Gear, ils font du matériel, des périphériques pour les gamers, genre souris, tapis de souris, etc. Des très très bons périphériques d'ailleurs, et bah là ils ont sorti un micro. Le micro est très complet, le micro, vous avez un petit bouton mute sur le dessus, vous avez la possibilité de régler l'amplification du micro, et vous avez en direct l'affichage pour voir si à quel niveau ça capte le son, donc de manière à avoir le parfait réglage et être sûr que ça ne sature pas. En plus de ça, vous avez la possibilité de brancher le casque pour avoir le retour en direct. Et surtout, ce qui est très très bien, c'est que c'est un micro RGB. Et ça, c'est parfait, vous savez que j'adore le RGB. On peut changer les couleurs, il suffit de rester appuyé sur le bouton volume pour changer la couleur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc un micro très 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 bon en termes de qualité, très complet en termes de connectique, une excellente qualité de fabrication, tout ça pour 100 euros. Voilà, moi, il n'y avait pas besoin de plus pour que je le mette dans ce classement. Je vous l'avais unboxé en live sur Twitch, j'avais été très content du résultat. Et du coup, je vous avais prévenu, je vous avais dit, celui-ci, c'est sûr, il va finir dans le top des meilleurs micros pour 2022. Voilà qui est fait. On enchaîne avec le micro suivant. Alors là, attention, celui-là, c'est mon gros coup de cœur de 2022. C'est un autre micro de chez Fifin. Et clairement, vous voyez ce micro que j'utilise actuellement. Si jamais, là, j'avais le choix entre acheter ce micro et acheter ce micro Fifin à 109 euros, actuellement, j'achèterais le micro Fifin. Donc ce micro, c'est le Fifin K658 qui est très similaire au Shure SM7B, sauf pour le prix. Parce que, donc, le Fifin coûte 109 euros. C'est un micro... alors, vous avez différents types de micros. Vous avez les micros à condensateur qui ont une excellente qualité audio et qui vont capter pas mal de sons dans la pièce. Et vous avez les micros dynamiques, comme
le Shure SM7B, mais comme aussi le Fifine K658. Et ça, ce sont des micros qui vont capter le son qui est vraiment très proche. Ce qui veut dire que là, avoir une personne à 5-10 mètres de moi qui regarde la télé, les gens vont entendre ma voix, mais ne vont pas entendre la télé. Donc ça, très intéressant pour ceux qui jouent dans un environnement bruyant. Si vous jouez, je sais pas, dans le salon et que vous avez quelqu'un, je sais pas, les parents ou quelque chose qui regarde la télé à côté, on ne va pas entendre la télé, et ça, c'est très intéressant. Jusqu'à maintenant, c'était très compliqué d'avoir ce genre de micro pour un petit budget, genre aux alentours des 100€, fallait minimum mettre, allez, 250, 300, 400 pour le Shure SM7B, et souvent, c'était des micros en XLR. Donc, ce qui veut dire que vous achetiez le micro, il fallait acheter une table pour le brancher en XLR, pour le connecter au PC, etc. Ça coûtait vite très cher. Là, pour 110€, vous avez juste un câble USB à brancher au PC, c'est de l'USB type C, et ça fonctionne super bien. Moi, j'ai utilisé ça au Télévideo Games, un événement caritatif, un petit peu comme le The Event, vous voyez, et on est dans des pièces très 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 bruyantes. Et j'ai utilisé ça, et le son était vraiment très très bon, on n'entendait quasiment pas les gens qui criaient autour, on entendait très bien ma voix, vous avez un petit bouton pour régler le volume du micro, vous avez un petit bouton mute, et vous avez même une prise casque pour entendre en direct le son du micro, voir si vous l'avez pas mis trop fort ou pas assez fort, etc. Et bien faire les réglages. C'est clairement pour moi le micro le plus intéressant actuellement. Tous ceux qui vont suivre maintenant dans le classement sont très très bons, mais attention, je pense que pour 98% des gens, il n'y a pas besoin d'aller au-delà que ce Fifine K658 qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Il va être très intéressant pour des gamers, pour des personnes qui s'enregistrent par exemple pour tourner des vidéos YouTube, mais aussi pour des streamers. Et l'avantage, c'est que même dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, on va pas entendre les bruits ambiants, on va entendre quasiment que la voix de la personne qui parle. Et voilà, ça c'est le gros avantage de ce micro-là. Pour info, celui-ci, c'est mon coup de cœur. Si vous avez une centaine d'euros à peu près de budget pour un micro, c'est vers ce micro qu'il va falloir vous rediriger, surtout si vous êtes streamer ou vous voulez vous enregistrer quand vous êtes dans une pièce bruyante. On enchaîne avec le micro suivant de ce classement, on est vers la fin du classement, donc les prix commencent à monter. On est à 145€ environ pour le Rode NT-USB. Alors attention, le prix peut pas mal varier, je l'ai déjà vu à 120€, je l'ai déjà vu à 170€, donc voilà, mais actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, il est entre 140 et 150, et c'est le prix intéressant pour l'acheter. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est fourni, donc avec un petit pied, vous avez un petit filtre anti-pop aussi qui est filé avec, ça c'est cool, et l'avantage de celui-ci, c'est la qualité de la voix. La qualité de la voix est excellente, il y en a même des personnes qui s'enregistrent, qui font de la musique en amateur et qui s'enregistrent leur voix avec ce micro-là. Il est très très bon, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du streaming, pour enregistrer des vidéos YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs qui l'utilisent. La qualité est très très bonne, le prix est un peu élevé, mais la qualité de fabrication est excellente, on est sur du Rode. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour ce micro-là, il est très très bon. On enchaîne avec le micro suivant, alors là c'est le Shure MV7, donc d'ailleurs merci GQ, c'est lui qui m'a prêté le sien pour m'éviter d'avoir à l'acheter pour cette vidéo. C'est un micro assez similaire au Shure SM7B que j'utilise moi tout le temps dans mes vidéos, sauf que celui-ci déjà il est moins cher, il coûte 229€ comparé au Shure SM7B qui est à 400. Et l'avantage de ça, c'est que celui-ci, le Shure MV7, il se branche à la fois en USB, donc avec du micro USB, et il se branche aussi en XLR. Ce qui veut dire que si vous avez un petit budget de 230-240€, voilà, vous pouvez acheter ce micro-là, le brancher en USB, et le jour où vous aurez plus de budget, vous allez pouvoir acheter une table de son, un clou de lifter, une Go XLR, ce que vous voulez, voilà, pour le brancher en XLR. D'ailleurs, vous allez voir que pour les tests audio que je vous fais juste après, je l'ai testé à la fois en USB et je l'ai testé aussi branché sur ma table de son, donc la Go XLR, et sachant que en plus de ça, j'ai un clou de lifter qui me permet d'amplifier les décibels pour avoir un meilleur gain. Et voilà, donc dites-vous que Go XLR plus le clou de lifter, il y en a à peu près pour 500€ de matériel. Vous me direz si vous voyez une grosse différence entre le Shure MV7 branché en USB et le Shure MV7 branché sur la Go XLR et avec le clou de lifter. C'est pas le même budget, mais normalement vous aurez une bien meilleure qualité une fois qu'il sera branché en XLR. On enchaîne ensuite avec le 11e micro, un petit peu le petit bonus, mais celui-ci j'étais obligé de vous le mettre, c'est le Shure SM7B. Celui-ci c'est mon micro préféré, il coûte cher, hein, je vous préviens, il coûte 400€. Si on rajoute la Go XLR plus le clou diffler, on arrive presque à 900€. Donc voilà, c'est un gros budget, c'est ce que beaucoup de streamers, beaucoup de personnes utilisent. Encore une fois, je vous le répète, 95-98% des gens n'avaient pas besoin de ça, parce que maintenant qu'on a le Fifine K658, ça sert à rien de dépenser plus de 110€. Dans tous les cas, celui-ci pour moi,
c'est le meilleur, mais c'est pas celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Du coup, voilà pour la présentation des différents micros que je vous ai sélectionnés. On va maintenant se laisser et je vais vous faire écouter les différents tests de son que j'ai fait. Donc, pour rappel, test à 10 cm, test à 30 cm, test avec les bruits de touche du clavier. Alors, j'ai pris un clavier qui fait du bruit, hein, je vous préviens. J'en ai pris un où la touche espace et la touche hunter, elles sont bien abîmées, donc ça ressemble un petit peu au bruit que peuvent faire des claviers clicky qui sont très bruyants. Et ensuite, vous avez un test avec la clim que j'ai fait tourner à fond, qui est quand même assez bruyante et tout. C'est impossible d'avoir un PC plus bruyant que ça, hein. Ça souffle vraiment fort la clim. Donc voilà, donc vous avez les différents tests pour chaque micro et on se retrouve juste après pour l'outro. C'est parti pour le test du Fifine K669. J'ai placé le micro à environ 10 cm de ma bouche pour que vous puissiez entendre les éventuels pop qu'on pourrait entendre dans le micro. On se retrouve maintenant sur le test du micro de chez Yotto. Là, vous entendez le son avec les deux filtres anti-pop qui sont fournis avec le micro. Donc, je les ai placés pour que vous puissiez entendre les pops, savoir si on les entend ou pas. Et pour info, le micro, je l'ai placé sur le bras qui est fourni aussi avec dans le kit. On est maintenant sur le micro Bird UM1. Donc, vous devriez avoir un rendu assez similaire à ce qu'il y avait avec le micro Yotto, étant donné que les deux micros sont assez similaire. Là encore, je suis à 10 cm du micro pour que vous puissiez entendre les éventuels pop sur le micro. Pour info, sur celui-ci, il n'y a pas de filtre anti-pop qui sont fournis. Donc normalement, vous devriez avoir un petit peu plus de pop qu'avec le micro Yotto. On passe au micro suivant. Là, cette fois-ci, je suis sur le Razer Seren Mini et je suis à 10 cm du micro encore pour que vous puissiez entendre les éventuels pop. Vous entendez maintenant le Blue Yeti Nano, je suis à environ 10 cm du micro pour que vous puissiez entendre les bruits de pop. Je suis maintenant sur le Razer Seren X et je suis aussi à 10 cm du micro. Pour info, il n'y a pas de filtre anti-pop dessus, donc vous devriez entendre pas mal les pop, je pense. Vous m'entendez maintenant avec le Endgame Gear X-Storm qui est à 99€. Alors pour la partie pop, là j'ai laissé le filtre anti-pop aimanté qui est fourni avec le micro. Et voilà, vous allez pouvoir entendre avec ce filtre anti-pop si on entend beaucoup ou non les pop. Je suis maintenant sur le micro Fifine K658. Le micro est aussi placé à 10 cm de ma bouche. Et normalement, sur ce micro, vous ne devriez pas avoir trop de pop. Normalement, ça devrait être assez limité et le son doit être de très bonne qualité, un petit peu comme pour le Shure SM7B. Et vous m'entendez maintenant sur le Rode NT USB, donc un grand classique pour les micros des streamers, des youtubeurs. Un micro de très bonne qualité, et là je suis encore à 10 cm de ce micro. Je passe maintenant sur le Shure MV7, alors attention, là c'est la version branchée en USB, je vous mets juste après la version branchée en XLR, il y aura sûrement des petites différences au niveau du traitement du son. Et là je suis toujours à 10 cm, normalement il ne devrait pas y avoir trop de pop, étant donné qu'on a un filtre intégré dans le micro. Alors là, vous m'entendez toujours sur le Shure MV7, par contre, cette fois-ci, il est branché sur la Go XLR, avec en plus de ça, le Cloud Lifter qui amplifie le son. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une grosse différence. Et enfin, le dernier micro de ce test, c'est mon Shure SM7B, le micro que j'utilise dans toutes mes vidéos. Là, je suis à 10 cm, et pour info, il est branché sur ma Go XLR, et il y a aussi un Cloud Lifter pour amplifier le micro. Et sur ma Go XLR, j'ai fait des réglages compresseur, gate, etc. pour que ça rentre bien. Et le micro Fifine est maintenant posé sur ma table. Il est à environ 30 cm de ma bouche pour simuler un placement du micro sur le bureau, un petit peu plus éloigné. On est maintenant à environ 30 cm du micro. Là, ça vous permet de simuler si le micro est un petit peu plus loin ou si on est, il est placé sur le bureau. Alors là, je ne l'ai pas placé sur le bureau, hein, je l'ai laissé sur le bras articulé qui est fourni avec, mais il est un petit peu plus loin, ça vous permet d'entendre qu'est-ce que ça donne quand le micro est un petit peu plus éloigné. On est maintenant à 30 cm de ma bouche au niveau de l'emplacement du micro, donc normalement vous devriez entendre le son un petit peu moins fort, et ce serait pour simuler si vous mettez le micro sur le bureau. Là je suis sur le Razer Seren Mini à 59€, je suis encore placé à 30 cm du micro pour simuler le micro posé sur le bureau. Et je suis maintenant sur le Blue Yeti Nano, j'ai placé le micro à 30 cm de ma bouche environ, et normalement vous entendez un petit peu moins fort que sur le premier test à 10 cm. Je suis maintenant sur le Razer Seren X qui est placé à 30 cm de moi posé sur le bureau,
Et toujours pas de filtre anti-pop sur celui-ci, mais là vous ne devriez pas trop les entendre. Et voilà, maintenant je suis à environ 30 cm du Endgame Gear X-Storm à 99€. Le micro est posé sur le bureau et il y a toujours le filtre anti-pop, même si à cette distance en soi c'est pas vraiment utile. Le micro est maintenant à environ 30 cm de ma bouche, donc vous devriez entendre le son un petit peu moins fort, mais ça devrait rester toujours d'excellente qualité. Et je suis maintenant sur le Rode NT-USB à environ 30 cm du micro. J'ai laissé bien sûr le filtre anti-pop qui est fourni avec le micro pour que vous puissiez entendre le rendu. Et je suis maintenant sur le Shure MV7. Alors il y a moyen que vous m'entendiez pas super fort étant donné que c'est un micro qui capte les sons qui sont proches, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, on n'entend plus trop. Alors ça c'est plutôt un avantage, si vous êtes dans une salle bruyante, on n'entendra pas trop le bruit. Et donc là je suis à 30 cm et pour info on est toujours sur la version branchée en USB, je vous mets juste après la version en XLR. Et maintenant je suis sur le Shure MV7, donc là je suis toujours à 30 cm de distance, et là cette fois-ci c'est le Shure MV7 branché sur ma Go XLR avec le Cloud Lifter pour amplifier le son. Et enfin on termine avec le dernier du classement, le micro le plus cher, là c'est le Shure SM7B, et là encore je suis à 30 cm du micro.
Et voilà pour les différents tests audio. Alors dites-moi dans les commentaires quel est le micro que vous avez trouvé le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Quel est le micro vers lequel vous allez vous rediriger si vous comptez en acheter un parmi ceux que je vous ai présentés. Et je vous le rappelle, vous avez les liens et les références de tous les micros dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'hab, on n'oublie pas le petit pouce bleu du soutien. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche si jamais c'est pas encore le cas. Je vous fais régulièrement des guides d'achat, je vous aide à choisir les composants de vos PC, les composants de vos setups, vos périphériques, etc. Donc si ça peut vous intéresser, le petit abonnement et la cloche. Et puis, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!